GPS à zéro. Touc. Pas presque. Voilà. Essayez de pas se cracher. Pour pas perdre le bébé. Alors, où est-ce que je suis moi déjà? Chouing. Et on va lancer le chrono général. Pour voir ce que je fais. Mes gros 6000, qui sont des 8000 déguisés, commencent à rigoler. Allez, on est parti. Doucement, tant que les pneus réchauffent. Je passe un petit coup de balai sur la piste parce que il y a quelques petits cailloux. Alors ça c'est pas le caillou. Qui font que la voiture des fois saute. Ce qui me plaît, c'est qu'on voit vraiment les suspects travailler et que ça sautille très très peu. Ouza! Juste aller voir. Mettre pause au. Pose au chrono, juste aller voir la vitesse de pointe, comme ça m'évite de stresser pendant 12 minutes si je perds mon GPS ou si je perds pas mon GPS. Là, à mon avis, on a fait notre Vmax. Sans nombre à doute. Là, je vais trouver 32. Ouais, 80. Cool. Cool, cool, cool. Allez. Il faut savoir si j'arrive à faire une. J'arrive à faire ce qu'il faut en termes d'autonomie parce que ça sert à rien d'aller vite si c'est pour s'arrêter on a ligne d'arrivée. Allez, on redémarre. En envoyant du bois, je vise 10-12 minutes. On notera que je mets pas encore gaz tout le temps. Enfin, je mets pas encore à fond la gâchette, l'accélération. Je pense qu'il y aura moyen, une fois que j'aurai bien appris à vous donner la bête, qu'on aille bien plus vite que là. Tu vois, genre ici, t'as encore une grosse phase d'amélioration. Bon là, évidemment. Là, je pense qu'en termes de passage, on est pas mal. Là aussi. Voilà, peut-être là encore un petit peu à mettre un peu de gaz plutôt.
Là, c'est éviter de se faire, voilà, éviter de se faire emporter. Alors on n'a pas le frisson qu'on a avec la R8 quand tu arrives à pot de balle plus de 90, c'est évident. Mais après jouer tout seul, c'est pas très drôle en fait. Donc même à haute vitesse, je la contrôle. Je veux dire, c'est qu'elle est parfaitement contrôlable à quasiment toutes les plages de vitesse. Et ça, bah ça c'est bien parce que globalement, vraiment si à pleine balle, t'arrives à rien à faire et chaque fois que tu la touches, elle. Oula ! Chaque fois que tu la touches, elle se valdingue dans le décor. Mais là, c'est vraiment ce qui est vraiment très bien, c'est que même à fond de balle, je garde une certaine directivité. Alors c'est sûr, voilà, typiquement je commence un peu à chercher les accélérations au maximum. Et ce qui est très bien, c'est qu'elle reprend très bien l'accélération. Dès que tu mets un léger filet de gaz, elle reprend très bien l'adhérence. Et ça, je pense que c'est les pneus hein, qui font les choses, bien sûr. Oui! Là, je commence à chercher l'accélération du point maximum. Ouh ! Je me voyais déjà prendre la pluie, yo. Bon, alors bah voilà, écoute, je suis super content. Je vais pouvoir vraiment continuer une heure. Je suis content. Alors après, bon, j'avais hésité à peut-être prendre une autre GT, un peu plus ci, un peu plus ça, un peu plus joli, un peu plus machin. Mais effectivement, une fois réglé, t'as un châssis qui vaut 250 balles. Tu rajoutes 150 boules d'électronique. Voilà, 150 boules électroniques, t'as un truc qui arrive à aller avec une ou deux lipos, le cerveau, et encore un GX, c'est pas ça qui fait ce qui fait la mort. Un budget 500 boules avec un lipo, c'est même pas le prix d'un kit du Mugen. Donc si tu veux, je pense que le rapport plaisir coût est largement en faveur de la Obao GTB. Ça, c'est évident. Bon, il aura fallu acheter des pignons. Bon, remarque, c'est bien parce que du coup j'ai une famille complète de pignons depuis je pense le 14 jusqu'au 24. Pouvoir un peu faire des réglages de bazar. Il y a juste le seul truc qui m'arrache encore un peu les yeux, c'est que t'as l'impression que t'as un peu les...
les roues qui bougent un peu, voilà, pas comme il faudrait, c'est-à-dire qu'elle se tient un peu, tu vois, un peu en fond de braquage. Bah, je dois être à fond de... Hihi ! Je dois être à fond des débattements, genre une... faut que je réduise un peu ça peut-être. Yopa. C'est vrai que je suis encore très rarement à fond brutalement. Quand je pense qu'avec l'autre bazar, je vais commencer à 50 km/h. Putain. De toute façon, là, je crois que je peux pas mettre beaucoup plus comme pignon. Ça rentre la dernière mini de la lipo. Alors, ça dit 13 minutes, écoute, 13 minutes, 6000 ampères, ça fait, voilà, non, bien, écoute, c'était dans le truc, je pense qu'il y a encore moyen d'aller plus, enfin, il y a moyen de mettre encore plus de pêche et d'aller encore plus vite, là, je suis pas encore à fond dans l'optimisation du circuit. Mais je pense que du coup, à 10-12 minutes à fond de patate, ça passe quoi. Donc, pas content. Ça dit que, bon, lui il est chaud, la batterie elle est chaude, mais bon, le moteur il est... Ça va avec la turbine, je mets encore les doigts dessus pour un petit moment, donc ça va. L'entre-dent n'est pas trop usé, les pneus écoutent, j'ai quand même l'impression que ça travaille un peu sur l'extérieur ici, tu vois. Mais l'avant, ça a l'air correct, ça colle un petit peu, c'est pas non plus démonté, mais ça colle encore. Donc, c'est concluant.